Bonjour à tout le monde. J'espère que vous passez un beau samedi. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous. Je vais vous montrer une petite carte ici que je vous propose. Je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Alors, c'est pour vous montrer quelques petites techniques. Entre autres, le fait de mettre en évidence une partie de l'image. Ça, je vais vous montrer ça. Et aussi, un petit ruban. On va friser un petit ruban sans avoir besoin de fer à friser ou de bigoudi. Vous allez voir comment je fais ça. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer, tourner ma caméra et vous montrer ces petites choses-là. Ça ne sera pas très long. Ici, je tourne ça ici. Alors, vous voyez bien, c'est assez proche. Oui, c'est bon. Alors, voici la petite carte de plus près avec sa petite enveloppe. Vous voyez, les tempes et le petit dégradé de couleur et à l'intérieur aussi de la carte. Alors, ce que j'ai voulu travailler aujourd'hui, c'est avec le beau jeu d'étampes Souhait du Jardin, qui est celui-ci. Un très beau jeu d'étampes, les pissenlits, des beaux vœux. Et lui, il vient avec des belles découpes, des beaux poinçons aussi, que je ne me servirai pas aujourd'hui, dans une autre vidéo probablement, mais avec des belles étampes en caoutchouc qui se manipulent très bien. Alors, on va prendre ce jeu-là, et pour le petit vœu, ben ça viendra du jeu des temples, la perfection ou presque. Ça va venir de celui-là. Ce que je voulais aussi utiliser, c'est les beaux papiers de la série In Color. Je vais vous les montrer dans le catalogue régulier. Les papiers de la série In Color. Vous voyez, toutes les couleurs que Stampin' Up offre. Puis, à chaque année, il y a 4 nouvelles couleurs qui sont offertes. Et il y en a d'autres qui disparaissent, évidemment. Alors, celui-là que je vais utiliser, c'est les 2019-2021. Il y a 5 couleurs. Et à la fin du mois de mai, c'est ça, quand le catalogue ici ne sera plus valide, jusqu'au 3 mai, bien là, ils vont en sortir un autre, mais ils vont sortir 5 nouvelles couleurs, puis ils vont remanier les couleurs avec leur charte de couleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour utiliser ceux-là. Et ce que je voulais dire, c'est ça. En même temps, ben, je voulais vous parler, comme toujours, de la promotion Célébration, qui est encore en vigueur pour une semaine. Je vais vous montrer ça ici avec... mon petit catalogue s'est échappé. Le jeu, ici, le jeu des temples, c'est celui-ci qui est dans le catalogue, le mini-catalogue. Très, très beau. Et il y a encore la promotion Célébration. C'est ça, qui est bonne jusqu'au 28 février. Alors, il y en a pour une semaine encore, à l'achat de 60 $ de produits dans les catalogues réguliers ou le mini, ben, vous avez droit à une prime parmi celles-là. Et avec tout ça, en plus, ben, notre groupe de démonstratrices Les Joyeux Tutos, nous aussi, à l'achat de 60 $, on vous offre 7 beaux tutoriels, tout bien expliqués, pour faire des cartes ou d'autres projets. Nous sommes quelques démonstratrices qui avons travaillé là-dessus. Et lui, c'est bon jusqu'au 28 février, à l'achat aussi de 60 $ avant taxes et transport de produits Stampin' Up, avec votre démonstratrice préférée de notre groupe. Et en mars, il y en aura d'autres à ce moment-là. Alors, sur ce, je vais enlever ça. Et on va commencer tout de suite. Je suis bien centrée. OK. Alors, la petite carte, je vous l'ai montrée.
La prochaine qu'on va faire, je vais la mettre de côté. La prochaine qu'on va faire avec le beau papier aussi, encore une fois, ça sera la petite enveloppe. C'est avec la couleur Pan Pin Pan, alors que celle-ci était dans la couleur Tomette. Celle-ci sera dans la couleur Pan Pin Pan, avec les papiers design qui sont assortis. J'ai décidé de prendre celui-ci. Alors, pour la carte, la base de la carte est en 4 pouces écart par 11 pouces et demi, plié en deux à la moitié, c'est-à-dire 4 pouces écart par 11 pouces, plié en deux à 5 pouces et demi, pardon. Ensuite, le papier imprimé, lui, est à 4 pouces par 5 pouces écart. Ici, j'ai un papier blanc pour faire l'intérieur de ma carte, qui lui aussi est à 4 pouces pour 5 pouces écart. Ma petite enveloppe. Et j'ai une bande ici de papier 2 pouces par 5 pouces, qui est la même longueur que le papier imprimé, soit 5 pouces écart. Alors, on va commencer tout de suite tranquillement. Ici, c'est simplement mon petit patron que j'ai fait, parce que je vais vous montrer tout simplement comment on procède. Alors, moi, j'ai décidé de prendre les encres Pan Pin Pan et Souffle d'écume. Souvent, ce sont des petits pads comme ça qui nous arrivent dans les kits de Paper Pumpkin. Sinon, parfois, j'achète des tout petits pads d'encre qui sont vierges et j'achète des fois la petite recharge et j'en mets des gouttes là-dessus. Ça dépend de mon humeur. Moi, ce que j'aime bien pour étamper mon image, c'est prendre l'encre ardoise bourgeoise parce que c'est un beau gris, pas trop pâle, mais pas trop foncé non plus. Et ça fait moins rude que le noir nu. Alors, je vais commencer avec ma belle étampe de pissenlit. Voyez-vous, c'est celle-ci, comme ça. Et la première chose qu'on va faire, on va bien l'ancrer et étamper sur le bon carton blanc. Alors, il faut mettre de l'encre partout sur notre étampe. C'est pour ça que c'est important que notre pad d'encre soit bien ancré avec quand ça fait longtemps qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas servi ou qu'il a trop servi, bien, il faut rajouter un peu d'encre de la recharge. Bon, là, il a l'air d'en avoir assez. Alors, je vais la placer bien au centre, comme ça ici, et j'appuie pour bien transférer l'encre sur mon carton. Quelques secondes. Et voilà. Et voilà. Ça fait une très jolie, une belle image, bien définie. Alors là, pour l'instant, j'ai plus besoin de celui-ci. Je vais tout de suite nettoyer mon étampe avec le chamois, comme vous voyez ici, qu'on garde humide. Et ça nettoie très bien. Avant de faire un bon nettoyage complet, on peut utiliser ça. La deuxième étape, est-ce que vous voyez toujours bien? Oui. Bon, la deuxième étape, c'est de procéder à la perforation. Moi ici, j'ai utilisé la perforatrice timbre poste, qui est très bien faite. Alors que dans la première carte, ici, j'avais utilisé un poinçon, simplement, qu'on passe dans la machine de découpe. On peut utiliser des poinçons, mais si vous n'en avez pas, ou si vous ne voulez pas vous acheter la machine, évidemment, ben, des perforatrices comme ça, il y en a de différentes formes, et ça fait très, très bien aussi. Il y en a des rondes, des ovales, il y a toutes sortes de formes. Alors, celle-là, je la trouvais bien, bien appropriée. Mais pour être sûr de le percer au milieu, ce que je vais faire, je vais tourner ma petite étiquette à l'envers
Et avec l'aide d'une petite règle, je vais me faire juste deux petits points. J'ai dit qu'elle mesurait 2 pouces. Alors, à 1 pouce ici et à 1 pouce à l'autre bout, comme ça ici. Tiens, et je vais tracer ma ligne tout simplement pour que ça soit, et voilà, bien, bien droit. Alors là, si je fais ma perforation, je le fais vraiment, que je m'enligne sur ça, ça va être en plein centre. Pour ça ici, je glisse mon papier dans la perforatrice et comme je vois bien ma ligne, je peux l'enligner. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a une petite coche ici et une là. Et je m'enligne comme il faut. Je vais me lever debout là, pour bien voir. Je m'enligne vraiment d'un côté et l'autre pour que ce soit bien droit. Alors, il est bien, bien enligné. Je perfore. Et voilà. Alors, si je le revire de bord, j'ai... Voyez-vous, c'est comme ça que ça va. Mais là, c'est cette partie-là qu'on va colorer. Et le reste va rester neutre comme ça. Alors, la perforatrice, j'en ai plus besoin. Mais je vais mettre ça de côté avec mon petit patron. Et voilà. Maintenant, pour la couleur. Eh bien là, ici, j'ai deux petits tampons qui vont très bien faire. Pour certaines autres cartes, j'ai utilisé le petit rouleau ici, éponge, qui fait très très bien. Mais là, vu que c'était pour des tout petits pattes d'encre, je préfère utiliser des petites éponges comme ça ici, qui font très bien. Alors, je vais prendre celle-ci, souffle d'écume, avec cette petite éponge-là, et celle-ci avec le pan-pan-pan. Et là, on y va délicatement. C'est très amusant, c'est facile. On prend un peu d'encre sur l'éponge. Et je vais y aller en tenant ma petite, comme ça, en partant de l'extérieur, simplement comme ça ici en y allant. Voyez-vous, ça commence, la couleur commence à sortir. On va la retenir un peu, simplement comme ça. Et voilà. En même temps, ça donne une nuance plus foncée vers l'extérieur de l'image. J'y vais jusqu'au centre à peu près, pas plus que ça. Et pour le reste, je vais me revirer de bord, ça va aller mieux. Pour le pan-pan-pan, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. On a juste à repasser si on trouve que ça ne fait pas assez. À l'extérieur un peu pour pas trop mettre d'encre. Et j'ai décidé que je vais remettre un petit peu de souffle d'écume encore une fois. Et repasser par-dessus un peu pour marier un peu, mixer, là, mélanger les deux couleurs. Comme ça ici. On peut en remettre encore un petit peu. Et voilà. Puis un autre petit coup ici, peut-être. Simplement. Tiens, juste pour... Et voilà. Marier ça ici. Ici, c'est sûr que la différence est légère entre le souffle d'écume et le pan-pan-pan. On le voit beaucoup plus dans cette carte-là, ici, vu que ce sont les deux couleurs vraiment opposées. Mais quand même, ça me satisfait. Et voilà. Alors, je vais serrer ça ici. Et là, on va commencer à monter notre carte. Ici, ça va aller bon. Ah, en même temps, je vais tout de suite
planifier l'intérieur de la cape. Alors, je vais mettre ça de côté. Et un petit peu d'encre encore pour l'intérieur de la cape. Tout simplement. On y va comme ça, tiens. Et un petit peu, lui, il en reste déjà pas mal. J'en mettrai pas trop parce qu'elle est quand même assez foncée. Et ce que je vais faire à l'intérieur, bien, c'est juste un autre des petites graines de pissenlit. Que je vais faire ici. On va tester avant. Oui. Pas trop. Je vais nettoyer. Et voilà. Des petites graines, tout simplement. Bon. Ensuite, il va nous rester aussi la petite enveloppe, tant qu'à faire. On va la préparer aussi. Un souffle d'écume aussi. C'est une couleur très pâle, alors c'est sûr que j'aurais peut-être pu mettre un petit peu, quelques gouttes d'encre, mais ça va aller. Et un tout petit peu bon, des fois ça fait des petites marques là, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Et voilà pour ça ici, pour l'enveloppe. Et elle aussi, on va lui mettre des petites graines de pissenlit du bon bord quand même, avec des petites graines qui s'envolent et qui vont envoyer des pissenlits, faire semer des pissenlits partout sur nos terrains. Alors, ça ici, c'est terminé. L'enveloppe, je peux la mettre de côté. Et l'intérieur de la carte aussi, ça va aller à l'intérieur. Ensuite, on va assembler notre petite carte ici, notre devant. Celle-ci, on va la mettre un peu en décalage. Alors, tout simplement, oh. Bonjour Lévin, bonsoir pour toi, moi c'est le jour. Alors, un peu de colle ici, tout autour, comme ça ici. Et là, je vais la placer bien droite. On va se placer pour vis-à-vis les lignes pour s'aider un peu. Et voilà. Comme ça. Et je vais la mettre avec des petits points de dimension. Comme ça. Ça ici. Alors, on va en mettre aux quatre coins. Un petit dernier ici et un au milieu aussi pour éviter que l'image s'enfonce. Ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager mon vidéo, pour me faire connaître. Alors, elle, je la place bien au centre dans la perforation. Et voilà. Alors, c'est pour mettre en valeur une certaine partie. Alors, moi, je pense que je pourrais appeler ça la technique de mise en valeur, disons.
Maintenant, j'ai décidé de mettre un petit vœu ici. Et je suis allée chercher dans un autre jeu d'étampes, qui est la perfection, ou presque. Alors, j'ai... si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Alors, je vais le tester. Lui, je vais le faire en pan-pan-pan. Je vais le tester avant sur mon papier brouillon. C'est un peu barbouillé, alors on va le nettoyer comme il faut. Il faut faire attention parfois pour ne pas trop appuyer et bouger comme ça, parce que c'est là qu'on voit des petites lignes. Alors, on va se reprendre. On va faire attention. Et je vais y aller pour l'étamper ici, dans le bas. Attendez un petit peu. Plus ici. Et voilà. On ne bouge pas trop. Cette valeur est un petit peu croche. Parfois, c'est ça qui arrive avec nos petites étampes. Mais ça, je pourrais le corriger de toute façon avec en mettant une petite étiquette par-dessus. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le petit ruban. Pour faire friser le petit ruban, je vais me tasser un peu ici. Tasser ça. On va se faire de la place. Et ce que j'utilise, c'est les crayons. Je vais utiliser le crayon souffle d'écume, un crayon Stampin' Blend, qui est une couleur souffle d'écume qui est assortie. Et je vais en faire à peu près, pour être sûr d'en avoir assez, là, un bon 12 pouces. Comme ça ici. Et je vais le colorer avec, comme ça ici de côté, en allant avec la pointe pinceau. Comme ça ici, on a fait toute la longueur. Puis après ça, je vais le revirer de bord. Et voilà. Et l'autre côté aussi, pour que ça soit bien, bien coloré. Voilà. C'est comme si c'est une encre à l'alcool, ça sèche quand même assez rapidement. Alors, ça c'est beau. Ça c'est correct. Maintenant, on va procéder à la petite... au frisage. On va friser notre petit ruban avec le fer chauffant que je mets à la première puissance, si on veut, la plus faible, qui va être quand même assez chaude, puis il y aura toujours moyen de le monter. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je vais tenir mon petit ruban ici parce que c'est risqué qu'il s'envole. Approche un peu, là. Puis là, bon. Et voilà, on y va comme ça. Voyez-vous, déjà, il commence à tortiller. Je vais m'approcher. Ici, on voit déjà qu'il tortille. Je vais monter un petit peu plus. Alors, vu que c'est un ruban d'organdi, bien, c'est un peu un fil tissé, ce qui fait que ça fait... c'est synthétique. Alors, ça fait fondre un peu la fibre du ruban. Ça va fondre un peu. Ça fait fondre la fibre du ruban et ça le fait raccourcir, tortiller comme ça. Voyez-vous? Là, j'ai monté la puissance, ça va plus vite.
faut faire attention de se brûler parce que c'est chaud. C'est pour ça que j'utilise la petite pince. On va finir par le voir au complet. Et voilà, je pense que c'est satisfaisant. Je vais ranger. Bon. Faire chauffer. Alors là, ce que je vais faire ensuite, c'est placer mon petit ruban. Tout simplement. Alors, je vais le placer. Oui, je pense que je vais le placer dans le haut ici pour laisser une petite place pour refaire mon étiquette tout à l'heure. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'un petit comme ça ici. Si je le place ici, tout simplement. Alors, de l'autre côté, je vais lui faire une petite colle comme ça pour le retenir. Et voilà. Et il va s'en aller ici. Et encore ici. Un petit peu de colle pour le retenir. Et le surplus, je le garde parce que je vais faire une petite boucle avec. Tout simplement. On va le placer bien de la bonne dimension. Et lui, je vais le placer juste une petite boucle comme ça que je vais passer tout le tour. Là, je fais juste un petit nœud. Tout simplement. Et j'enlève les petits bouts qui dépassent. Oh, on va le couper un peu en biseau pour pas que ça s'échiffe. Ici aussi, comme ça. Et voilà. Alors, celui-là est prêt pour installer sur notre carte. Je vais prendre ma colle ici. Bien la centrer en laissant la petite bordure de chaque côté. Et voilà. Et ensuite, bon, si je veux refaire tout de suite ma petite étiquette, eh bien là, je vais me prendre un beau papier murmure blanc et je vais l'étamper de nouveau. Comme ça ici. Et voilà. Je me suis trompée, j'ai pris le souffle d'écume, c'est pas lui que je voulais. Je vais recommencer. Et je vais nettoyer avant. Bon, là, on y va de l'autre bord. Et voilà. Bon, là, ça fait mon affaire. Et ce que je vais faire, c'est le poinçonner, lui aussi, avec un petit poinçon. Je pourrais prendre encore mon thème, mais ça va être trop, ça va faire trop. J'ai des belles et des beaux poinçons d'étiquette. Celui-ci, c'est trop petit. Voilà, je vais trouver quelque chose. Bon. Tiens. Ceci, je pense que ça va bien faire. Il faut que ça rentre. Ça ne rentre pas. Bon, on va prendre une plus grosse. J'en ai de tous les formats. Alors, je vais prendre celle-ci. Tout simplement m'enligner et poinçonner. Ça, c'est une poinçon, une perforatrice qu'on a dans Stampin' Up depuis très longtemps.
Alors, elle, tout simplement, je peux juste la mettre comme ça ici. Si je trouve que c'est un peu croche, alors pourquoi pas la changer, la mettre avec des petits points de dimension, elle aussi. Il y a toujours moyen de se rattraper quand on fait des petites erreurs. Alors, voici, comme ça ici. Et on enlève les petits collants. On la met ici, on va la mettre ici, tout simplement. Et on va lui mettre des petits, comme ça ici, des petits des bijoux, des petites facettes. On va les mettre en souffle d'écume. Une ici. Une autre un peu plus haut. Et une petite dernière, je vais en prendre une toute petite, tiens. Ici. Alors voilà. Maintenant, il me reste à coller mon intérieur de carte. Et voilà. Et on écrit le vœu que l'on désire, si on veut le petit mot qu'on veut, qu'on désire, tout simplement. Alors, avec sa petite enveloppe, c'est ça que ça donne. Celle-ci. Alors, je vais vous remontrer ma carte du début. Celle-ci, avec sa petite enveloppe. Celle-ci, et une autre que j'ai faite aussi, toujours dans les couleurs de In Color de 2019-2021. Celle-ci aussi. Alors, comme j'ai dit, ces deux-là viennent. Elle, c'est en rose rococo. Et elle vient avec. Elle est faite avec. Taillée avec un poinçon. Celle-ci, c'est en tomette. Elle est taillée aussi avec un poinçon. Et celle-ci, ben, c'est en pan-pan-pan. Taillée avec la perforatrice teinte. Puis, c'est ça. Les petits rubans. Lui, ces deux-là, je les ai frisés. Tandis que celui-ci, ben, je l'ai laissé. Libre comme ça. Alors, c'était mon petit cours pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite un bon après-midi. Et n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire des petits commentaires sur mes vidéos. Ça me fera plaisir de vous répondre. Merci. Bonne fin de journée.